En manchette aujourd'hui, à Berthierville, les élus se réunissent en séance extraordinaire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, mardi 21 juin, l'été est arrivé. Lundi soir avait donc lieu à Berthierville, une séance du conseil municipal, une séance qu'on appelle extraordinaire, donc ce n'est pas la séance régulière. Quand même, plusieurs sujets ont été discutés. On va y aller en rafale. On débute par une question là, de disposition. On est prêt à céder ou à vendre éventuellement un terrain ou à utiliser un terrain entre autres, qui appartient à la commission scolaire, là, la ville aimerait utiliser ce terrain pour un éventuel développement, notamment industriel. Donc, on écoute dans un premier temps, un premier extrait qui parle de ce terrain. Donc, on écoute. En H1, disposition de terrain, mandat pour la réalisation d'un appel de proposition. Alors, ce sont les terrains au bout de la rue Melchior, au côté nord de la 138. On a beaucoup de demandes, c'est ainsi. On a eu peut-être même un an là, qu'on reçoit différentes offres. On reçoit aussi des gens qui viennent s'informer. Donc, on donne un mandat pour la réalisation d'un appel de proposition. Alors, c'est M. Darveau. Considérant que la ville de Berthierville désire disposer du terrain municipal portant le numéro de lot 3 449 147 situé à l'extrémité de la rue Melcher afin de favoriser le développement en zone industrielle, considérant que des promoteurs ont manifesté leur intérêt à acquérir le dit terrain afin d'y implanter diverses catégories d'industrie, considérant que le conseil municipal désire favoriser l'offre la plus favorable pour le territoire, en conséquence, je propose de mandater Maître Philippe Asselin du cabinet Morancy Société d'avocats pour assurer le soutien juridique à la rédaction de l'appel d'opposition pour la disposition du terrain municipal ayant le numéro de lot 3 449 147, dont les honoraires sont évalués à 2 000 $ plus les déboursés et les taxes applicables. Merci, c'est appelé par. Je puis. Je l'ai, merci. J'en appelle le droit dans ma gauche. Favorable. Ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Donc, très important d'être accompagné dans ce genre de démarchage. Juste pour préciser mon préambule, qui était un petit peu hors sujet. Donc, on parle des anciens locaux de la Melcheuse. C'est un parc industriel avec plusieurs industries. Si on passe du côté nord, il y a encore quelques industries qui découlent de l'ancienne Melchers, mais les terrains vont jusqu'à l'autoroute à l'arrière. Donc, c'est ces terrains-là dont on parle pour d'éventuel développement industriel. Il y a aussi des questions d'évaluation des bâtiments municipaux, même de l'aréna. On écoute. H3, évaluation des bâtiments municipaux aux fins d'assurance et du centre Gilles Villeneuve aux fins de la valeur marchande. Monsieur Darveau. Considérant que l'évaluation des bâtiments municipaux a été réalisée au printemps 2018 et qu'il est recommandé de procéder à la mise à jour de ces données aux fins d'assurance par période de 5 ans, considérant que le conseil municipal désire obtenir la valeur marchande réelle du centre Gilles Villeneuve afin d'évaluer la possibilité de vendre cet immeuble, en conséquence, je propose d'octroyer à la firme Bertrand Simard et Associés Incorporés le mandat d'évaluation des bâtiments municipaux au coût de 13 000 $ plus les taxes applicables, tel que détaillé à leur offre de service datée du 12 juin 2023. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. Je l'ai dans la belle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. On va adopter à l'unanimité. Petite parenthèse, on va présenter un projet de rénovation de l'aréna pour de mise à niveau de 12 millions. On a décidé de ne pas aller dans ce sens-là. À l'autre bout du spectre, on va aller voir la valeur marchande de notre aréna. On ne veut pas dire qu'on veut la vendre, on veut savoir combien ça vaut. Et on vient d'apprendre ce matin que le programme PAFIR est annoncé 300 millions. Il y aura peut-être cette possibilité-là, éventuellement, qui sera donc c'est un programme de subvention pour les infrastructures sportives.
on étudiera cette possibilité-là. On va prendre connaissance du dossier dans les jours qui suivent. Toujours lors de cette séance du conseil municipal, une séance extraordinaire, le maire suppléant a été nommé. H4, nomination du maire suppléant. Monsieur Darveau. Je propose que le conseiller Pierre Lahaye soit nommé maire suppléant, et ce jusqu'à nouvel ordre. Que le conseiller Pierre Lahaye soit également désigné comme substitut du maire à la municipalité régionale du comité de Dautré. Que la présente résolution remplace la résolution numéro 2023-04-085, adoptée lors de la séance ordinaire du 3 avril 2023. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Lavra. Je l'appelle au vote à ma gauche. Les élus de Berthierville ont aussi procédé à quelques embauches. Il a été question de ressources humaines. Quelques points étaient à l'ordre du jour. On écoute. H5, ressources humaines, coordonnatrice à la bibliothèque municipale, contrat de travail. Alors, M. Frenière. Considérant que le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre la Ville de Berthierville et Mme Sylvie Francis vient à échéance le 10 août 2023, considérant que le conseil municipal souhaite renouveler le contrat de travail de Mme Sylvie Francis au poste de coordonnatrice de la bibliothèque, en conséquence, je propose de renouveler le contrat de travail de Sylvie Francis au poste de coordonnatrice de la bibliothèque, et ce, selon les conditions stipulées au contrat à durée déterminée de 3 ans, débutant le 11 août 2023, et d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville lesdits contrats. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Je l'appelle au vote à ma gauche. C'est adopté à l'unanimité. Alors, très heureux. Mme Francis est une personne passionnée, fait un très bon travail. Donc, très heureux de ce renouvellement de contrat. H6, ressources humaines, embauche au poste de préposé à la comptabilité. M. Frenière. Considérant le processus de recrutement tenu pour combler le poste vacant de préposé à la comptabilité, considérant la recommandation du comité de sélection formé de la directrice générale et de la trésorière de la Ville de Berthierville, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Claude Étier au poste de préposé à la comptabilité à temps complet à compter du 24 juillet 2023, et ce, aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par? Pierre Lège et Julien. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. Alors, très heureux. Le poste de combler. C'est pas facile ce temps-ci. Très heureux parce que je pense que ça va combler un besoin qui était là depuis, un poste qui n'était pas comblé depuis quelques semaines, voire quelques mois. En H8, ressources humaines, octroi d'un mandat pour la réalisation d'un bilan de l'expérience organisationnelle. M. Lahaye. Considérant que le développement du territoire de la Ville de Berthierville est en pleine croissance et qu'il nécessite la réalisation d'un plan de l'expérience organisationnelle, considérant que le bilan de l'expérience organisationnelle permet de cibler les points forts et les zones de vulnérabilité d'une organisation pour permettre de prendre de bonnes décisions pour la mise en place d'un plan stratégique en développement organisationnel. Considérant la réception de 2 offres de services, soit la firme Bombos et l'Union des municipalités du Québec, en conséquence, je propose d'octroyer à la firme Bombos, entreprise innovante spécialisée en management et développement organisationnel, le mandat visant à la réalisation du bilan de la scène performance phase 1 au coût de 3 995 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 8 juin 2023. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Sur la roue, on avait le droit à ma gauche. Petite parenthèse, la ville est sous pression présentement avec tous les projets qu'on a. Nous, le conseil, la preuve qu'on fait encore une séance extraordinaire ce soir. L'année dernière, M. Lahaye, combien de séances on a fait au total? On avait 56 comités de travail, un nombre incalculable de séances extraordinaires. Donc, je pense que tout le monde est un petit peu sous pression avec puis notre administration, qu'on a des postes à combler. Donc, je pense qu'il était temps qu'on fasse une analyse.
toutes les personnes en place sont compétentes, toutes les personnes sont, je pense que ce qu'on a besoin, c'est même nous, je pense qu'on est compétents, on a besoin de se faire structurer un peu, on a besoin de se faire dire un peu qu'est-ce qui fonctionne bien, puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Ça va aller jusque même peut-être nous conseiller par rapport aux ressources humaines, par rapport à la négociation de conventions collectives, de contrats, et ainsi de suite. Et je suis en contact, pourquoi la firme Mon Boss, je suis en contact aussi avec la personne responsable des ressources humaines, pour ceux qui veulent s'informer. Vous irez voir si c'est fait à Donald, ce qu'il se fait à Rigaud, la rétention du personnel, les structures organisationnelles, ce sont des villes modèles. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. On n'a pas encore le diagnostic, ça devrait se faire à partir de juillet. Donc, je pense que tout le monde est prêt à faire face à ça. Donc, merci. H9, programme de prévention santé sécurité du travail, octroi de contrat, M. Lay. Considérant que le programme de prévention santé sécurité au travail réalisé en 2014 nécessite une mise à jour considérable, considérant l'offre de service datée du 13 juin 2023 déposée par la firme TELUS Santé pour les services additionnels en prévention comprenant la mise à jour du programme de prévention, la présentation du programme ainsi que l'élaboration des grilles d'inspection et des procédures de travail pour les tâches critiques. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme TELUS Santé le mandat de mise à jour du programme de prévention en santé et sécurité au travail au coût de 5 100 $ plus les taxes applicables telles que détaillées à l'offre de service datée du 13 juin 2023. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Finalement, la ville de Berthierville va de l'avant et embauche à temps plein un urbaniste. Donc, elle ne dépendra plus pour ce service de la MRC et une entente a été conclue. Donc, on parle de l'engagement de l'urbaniste maintenant et aussi du plan d'aménagement de la ville. Là, ça aidera. On regarde ce dernier extrait. En H7, ressources humaines, engagement au poste de directeur de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, M. Frenière. Considérant que le développement du territoire de la ville de Berthierville est en pleine croissance et nécessite la création d'un poste de directeur de l'urbanisme et de l'environnement au sein de l'équipe du personnel cadre. Considérant que la ville de Berthierville a signifié à la MRC de Dautry son intention de mettre fin à son adhésion à l'entente de fourniture de services pour l'application des règlements d'urbanisme et de l'environnement. Considérant l'acceptation de la MRC de Dautry de mettre fin à l'adhésion de la ville de Berthierville à ladite entente à compter du 1er août 2023, conditionnellement au paiement des frais d'administration pour l'année 2023, représentant un montant mensuel de 627,90 $, et ce, afin de ne pas pénaliser les autres municipalités parties à l'entente. En conséquence, je propose de procéder à l'engagement de Guillaume Dumouchel au poste de directeur de l'urbanisme et de l'environnement selon les conditions stipulées au contrat à durée déterminée de 60 mois débutant le 1er août 2023, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit contrat d'engagement et d'autoriser le paiement à la MRC de Dautry du montant mensuel de 627,90 $ jusqu'au 31 décembre 2023. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Darbeau, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. C'est adopté à l'unanimité. Donc, j'explique rapidement. M. Dumouchel travaille déjà pour la ville de Berthierville, mais est payé par la MRC. Donc, nous, c'est à même notre corps avec le service d'urbanisme qu'on le payait, mais il travaillait à 100% pour nous. Et là, mais maintenant, on le transfère ce poste-là chez nous en créant le poste. Donc, c'est un poste qu'on crée, mais qui était déjà budgété, faisait partie du budget. Donc, c'est pas un ajout, disons, de dépenses administratives. Ce qui est très important, pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on veut vraiment rapatrier tout le service d'urbanisme. On parle peut-être dans l'avenir de peut-être avoir un inspecteur, quelqu'un qui va venir l'appuyer. Mais comme Berthier est en plein développement, on est en reconstruction de notre plan d'urbanisme, de nos règlements d'urbanisme, notre aménagement du territoire. Donc, c'est très important d'avoir cette personne-là, cette ressource-là, en même bureau. Donc, les bureaux sont déjà pratiquement prêts.
Très, très bonne nouvelle pour Berthier. H10, plan d'urbanisme intégré et règlement d'urbanisme, octroi de contrat. M. Lair. Considérant la démarche réalisée pour définir la vision du développement du territoire de Berthierville, déposée en mai 2023 par votre firme d'atelier urbain, considérant que la refonte du plan et des règlements d'urbanisme doit être réalisée pour répondre à la vision établie pour le territoire, considérant l'offre de service professionnel datée du 9 juin 2023, déposée par la firme d'atelier urbain, spécialisée dans la mise en œuvre des meilleures pratiques et innovations dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement et de la facilitation. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme d'atelier urbain le mandat constituant la réalisation du plan d'urbanisme intégré et de l'ensemble des règlements d'urbanisme de la ville de Berthierville au coût forfaitaire de 77 572 plus les taxes applicables, tel que détaillé à l'offre de service datée du 9 juin 2023, d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour financer la dépense nette encourue par le dit mandat. Merci, c'est appuyé par. Appuyé. Je suis à vous, j'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. La firme d'atelier urbain, c'est devenu les partenaires. Ils ont fait le bilan de notre historique territoire. Ils ont fait une première proposition d'aménagement, de développement de notre territoire. Maintenant, ils vont nous accompagner. Ils vont faire des présentations de ce qu'ils ont déjà fait. Je pense que c'est la firme idéale pour nous accompagner là-dedans. Ils connaissent déjà beaucoup nos attentes. Ils savent déjà connaissent notre territoire. Là, c'est quand même une somme importante. On est dans les excédents. Je pense qu'on a vu là, la dernière séance, on a fait un petit bilan de notre situation financière. Je pense que, dans le fond, c'est pour le meilleur, puis c'est comme je vois ça comme un investissement pour que notre développement se fasse de façon, adéquate pour donner, puis innovante. Mais c'est un investissement qui va se rattraper dans le temps, je crois, parce que ce sont vraiment de bons conseils. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Sténo, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétro-T, sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra, sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro, sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime, sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso, sur la rue de la Traverse et le marché Aldo, sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Oui, bien aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Donc, en ce 21 juin, premier jour de l'été, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux
anniversaire. On poursuit par une petite information fort importante. Il y aura, bien sûr, des fêtes, la fête nationale le 24 juin prochain dans la région, mais les municipalités ont commencé à annoncer l'annulation de leurs feux d'artifice et on parle aussi des feux de joie en raison des interdictions en vigueur. La SOPFEU a récemment rappelé que les feux d'artifice et les feux de joie sont interdits dans les secteurs où prévaut une interdiction de faire des feux à ciel ouvert. C'est le cas dans toutes les MRC de la Naudière. Ça inclut bien sûr la MRC de Dautré. Exemple, à Sainte-Geneviève, on vient d'envoyer une alerte par Internet, par Facebook. Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de feux d'artifice lors des célébrations de la fête nationale le 24 juin prochain. En effet, les feux d'artifice sont interdits pour notre secteur de la MRC de Dautré. Cependant, la fête ainsi que le spectacle aura lieu à notre grand plaisir. On invite les gens à venir célébrer malgré tout, malgré cette interdiction. Donc, c'est la même chose à Saint-Ignace de Loyola. Il y aura une fête, mais pas de feux d'artifice et pas de feu de joie en raison, évidemment, des restrictions en vigueur pour le nord du fleuve Saint-Laurent. Sur ce, on y va avec la dernière information avant les avis de décès. La Naudière en bus compte répondre à différents objectifs. C'est nouveau, la Naudière en bus. On vise à favoriser l'offre de services touristiques, incluant le transport par navette à destination de la région de la Naudière, favoriser le développement d'expériences touristiques à valeur ajoutée, inciter des clientèles à adopter un mode de transport plus durable lorsque les activités touristiques qu'ils prévoient sont accessibles par navette ou bus. C'est coordonné par Tourisme La Naudière qui en a fait l'annonce. Donc, les premières offres, il faut suivre ça. Il y aura des offres liées au programme La Naudière en bus. Ça sera disponible d'ici 2 semaines. On pourra trouver ça notamment sur le site Internet de Tourisme La Naudière. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les canages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook! Au CHDL de Saint-Charles-Borromain, le 15 juin, 70 ans, est décédée Mme Marie Langevin, fille de feu Benoît Langevin, de feu Jeannette Lavallée, demeurant à Berthierville, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil sa fille, Alexandra Langevin-Tunis, ses petits-enfants, sa sœur Sacha Junior Brousseau, Michael Brousseau, son ami très cher Sylvain Sluzarek, ses frères Pierre et Jean Langevin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 juin, à l'aube de ses 74 ans, est décédée Mme Nicole Lambert, fille de feu Damas Lambert, de feu Marie-Ange Raté, demeurant
à Berthierville, native du lac Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil ses enfants Estelle Terrien, Pierre Giguère, Lily Terrien, Denis Desroches, Danny Terrien, Sylvie Garraud, José Terrien, Luc Chaput, ses petits-enfants Roxane Vizina Terrien, Daphné Vizina Terrien, Tony Terrien, Alexandre L'Italien, Vanessa L'Italien, Kevin Terrien, Jade Desroches, Lydia Desroches, ainsi que leurs conjoints et conjointes, et ses arrière-petits-enfants Mathéo, Noah, Abigail et Cara. Son frère, sa sœur, son beau-frère, Mimi Lambert, Gaston Lavallée, Jean-Guy Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 24 juin, dès midi, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 heures. Les cendres de Mme Nicole Lambert seront déposées au columbarium du complexe funéraire de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 26, un temps ressenti de 29. Mercredi soir, c'est ensoleillé, une température de 23, un temps ressenti de 27. Mercredi nuit, c'est dégagé, une température de 15, un temps ressenti de 15. Jeudi matin, c'est ensoleillé, une température de 19, un temps ressenti de 20. Jeudi après-midi, c'est ensoleillé, une température de 27, un temps ressenti de 31. Jeudi soir, c'est généralement ensoleillé, une température de 24, un temps ressenti de 29. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce premier jour d'été 2023, nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pépite, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.